Bienvenue dans le show Paola, GND Show. À ce soir, nous avons comme invité avec nous M. Aurel Raymond. Bonsoir, M. Raymond. Bonsoir, Jen. Bonsoir, Jen. Bonsoir, Jen. Bonsoir. Nous allons débattre un sujet très important pour vous, à ce soir, qui va parler de l'Église. Pour aller en pile sujet, je vais commencer par nous titre. Si nous avons un titre qu'on y a là, m'a prend devant dans l'émission. Donc va passer collègue moi Jen qui va poser quelques questions pour commencer avec ça n'a fait là à monsieur Aurel Raymond et rester branché. Puis ga nous sortir devant télévision non côté n'a regarder parce que l'émission ça a pas tordre. Alors nous va commencer. Oui, alors bienvenue Aurel. Merci encore. Raymond, qui est un évangéliste qui très connu dans la communauté haïtienne. Alors, je dis, nous avons quelques questions pour nous poser, parce que nous voulons comprendre un phénomène qui a passé actuellement dans l'Église haïtienne. Vous comprenez? Alors, on est, nous sommes que autant de parler de apôtre Patrick Isaac, qui fait la une des journaux, peut-être qu'on pourrait gagner un mois de temps. Alors, t'arrêtes, mais pour aider nous éclaircir quelques bagaille qui a passé dans l'église chrétienne haïtienne. Alors pour une première question que moi gagne pour c'est qui rôle un pasteur dans une église. OK, bon avant de te répondre question ça, première question que tu as nous poser c'est qui est un pasteur? Qui est ce monde qui pasteur vraiment vrai? Parce que aujourd'hui nous on pas quatre monde qui venait, yo relé tête au pasteur, yo consacré tête au bien faire amis, yo consacré yo. Et puis, on est devenu pasteur. Et puis, on a commencé. Et puis, on a un paquet de monde qui a suivi, malheureusement. Monde qui, semble monde qui a un peu besoin, monde qui a couru des miracles, tout bas, ça, yo. Donc, pour nous décider, avant de nous répondre à la question, qui est un pasteur, qui est-ce qui est un pasteur? En effet. Premièrement, pour moi-même, un pasteur, c'est un monde que bon Dieu relève. C'est pas un monde qui dit bon Dieu relève. C'est un monde que vraiment bon Dieu relè. Et monde bon Dieu relè, ou après, il y a un fouille, travail à faire pour bon Dieu. Ya. Et de nos jours, je suis capable de dire, sans me tromper, que en pile, nos pasteurs, nos communautés, nous, c'est des gens qui. La majorité dans eux, c'est parce qu'ils n'ont pas vu le travail. Et puis le pastorat, c'est une meilleure façon pour gagner l'argent facile. Pour y avoir un revenu facile et puis pour y avoir un peuple qui a dominé. Donc c'est un problème ça aujourd'hui à nous tomber avec la communauté parce que nous n'avons pas pris le temps pour vérifier, bah, nous n'avons pas lu la Bible. Fait que n'importe qui a devenu pasteur qu'on y est. Alors qui veut dire, si je bien comprends, c'est que toutes ces questions sont de pouvoir. Vous comprenez qui veut dire que les gens, les deux, les ont consacré. Comme étant pasteur, toutes ces questions que l'Église gagne pouvoir, l'Église dirige, l'Église fait l'argent. En quelque sorte, c'est ça. Le micro, là, c'est vraiment un pouvoir. Là, nous avons un micro, là, mais nous avons 200, 300 personnes devant. C'est un pouvoir. Et nous ne savons pas que j'aime une possibilité, un pouvoir dans la ville, dans le foyer, peut-être c'était le plus petit, dans la société, peut-être qu'il n'y a pas aucun pouvoir. Ils viennent joindre un micro. Et puis, on peut devant, tu t'en prends pas qu'être mouton, on a senti le gros pouvoir. Et ça peut être ça, il y a arrogant souvent, et puis, c'est eux-mêmes qui, bon Dieu, quasiment, pour le peuple qui devant. Alors, qui veut dire, c'est pouvoir qui monte dans la tête, yo. Justement. Ok. Alors, est-ce qu'on quand même, ben, une lumière qui, quand même, qui ça, un pasteur, qui ça supposé représenter dans l'église là et qui ça que supposé représenter pour fidèles dans l'église là. OK, Jésus te posé Pierre une question après résurrection quand Pierre te renié Jésus pendant trois fois. Exactement. Et puis Jésus dit Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit Seigneur, oui, je t'aime, tu le sais. Jésus pose la question une deuxième fois, il dit Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit Seigneur, je t'aime. Jésus posait la question troisième fois. Par contre, si Jésus te veut rappeler à Pierre, ou sans je te renier trois fois. Lorsqu'elle dit Pierre, troisième question, Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Et Jésus ajoute, il dit, Pierre, paie mes brebis. Donc, le rôle du pasteur, c'est de paître les brebis du Seigneur.
Et tout pasteur qui a dominé brebis du Seigneur, tout pasteur qui subjugué brebis du Seigneur, ce sont des mercenaires, ce sont des lourds ravisseurs. Bon Dieu pas voyer yo. Le rôle du pasteur c'est de paître le troupeau du Seigneur. Mes amis, est-ce que nous tendez auditeur avec auditrice? Ça c'est bagaille pour nous prendre note parce qu'il faut nous bien comprendre rôle un pasteur dans l'église. Tout ça qu'a dit là c'est bagaille qui est important pour nous. L'autre question que nous va poser monsieur Aurel Raymond. Kounyan mwen wè an dan l'église lè que y a fait quête pour yo bay, OK, ou bay dim nan, ou konnen enveloppe pour mettre. Avant de poser question ça bon vraiment do avant comment bagay dim nan marché, combien pourcentage pour moun ta bay comme dim lè que au travail ou à chaque mois pour bay dim nan, combien pourcentage là doyé? Et aussi qui ça l'église fait avec comme dim ça? Et m'a tout posé l'autre question, m'a tout rentré parce que ça c'est toujours dans cadre de l'argent. Le y a bay quête qu'on y a l'église offrande, sous pas gain l'argent sous qu'on y a là, yo dit sorti carte interaco. Ba konnen c'est dans Bible là, li marqué pour payer avec interac, mais comme moi connais technologie en vraiment avancée, peut-être c'est dans contexte ça yo fait, mais assez souvent gain monde qui gain difficulté pour yo comme paye avec interac là ou bien yo prend ça mal d'arrêt mais gonti lumière sous ça. Question dim ça c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre, c'est une question qui crée même beaucoup d'animosité. Et c'est une question qui débattue sur quasiment partout et gain quelques membres qui commencent beaucoup vraiment développer beaucoup de restrictions pour pas payer dîme, gain même qui tient mordicus pour payer dîme yo parce si yo pas payer dîme yo pas béni. Non seulement yo pas béni, gain malédiction qui tombe sur yo. Et son question nous pas qu'à répondre vraiment 2-3 minutes. Okay. Mais tout ça me qu'a dit concernant la dîme, c'est que son sujet qui dans Bible. On ne peut pas sortir de là, son sujet biblique. Il y a un contexte, li gagnon histoire et puis gagnon commandement qui attaché à lui. Maintenant si nous à petit Dieu dit non époque nous y connia, on capable dit moi-même personnellement, ça c'est moi-même personnellement, on pas dit c'est la Bible qui dit, c'est moi-même personnellement, moi j'ai beaucoup de réserves par rapport à dîme parce que de nos jours le pasteur, beaucoup de pasteurs, ils se lancent dans une course qu'on appelle une course à des cathédrales. Ouais, mais si on achète un paquet de gros l'église, de l'église 2 millions, 3 millions, et l'église en faut payer hypothèque. Et mouna, li paye dimno, et 80 à 90% comme dimno là, lui dans hypothèque là. Or, l'esprit dimno, c'était pour aider moun qui n'ont besoin. Okay, c'était okay. Pour aider monde qui pas travaille. OK, d'accord. Donc lorsque tout dit non, il y aller vraiment à des banques à payer l'hypothèque, est-ce que c'est bon Dieu mon ça veut aider vraiment lorsque a bas dit yo. Et ça c'est peut-être ça me dit question dit non, il est très très piqué et puis il est très très il très très fait beaucoup de remous ces oui, derniers temps. Oui, c'est ça parce que moi-même toujours connais que dit bon parti vraiment la donne qui pour payer les frais, les services pour continuer pour continuer cheminement l'église là. Même qu'on est que bon parti qui supposé rebaille à communauté hein. On comprend et même à fidèle qui dans l'église en tout si on en besoin, on croit que l'église en supposé là pour aider. Mais moi tendez tout Jen, on contendez yo dit cop dim dans tout son façon pour payer pasteur là parce qu'on pasteur pas doit travailler. On contendez yo dit ça. Bah, ben, c'est vrai. Moi, j'ai toujours un problème avec on. Ouais, on, yo toujours a dit on. Oui, yo toujours dit on. Et puis souvent, mon cap dit on dit, c'est lui-même qui a dit on. C'est vrai. Il casse derrière yo. C'est vrai. Mais c'est une raison qui fait nous faire émission ça parce que nous tendez des bagages, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Alors, émission DNG Show, ça, c'est pour éclaircir tout le monde qui a essayé de comprendre, nous essayons de bagages qui ne peuvent pas avoir une réponse avec lui. Alors, émission ça. On croit que par exemple le monde qui va tirer le sort de ça. Alors j'en dis hein, des pourtant des yo dit ou bien on dit ou pas jamais sûr vraiment de qui réponse ou qu'a joindre. Et ça fait n'a débat sujet ça là pour nous capable joindre une solution avec nos réponses. Oui, exactement. Et puis une autre chose aussi que nous capable ajouter, c'est que
C'est sûr que si fait partie d'une communauté, il y a une certaine entraide qui doit développer, les gens qui ont besoin. Ou est-ce si l'Église est conséquente? Les gens qui ont l'Église n'ont pas même besoin d'aide du gouvernement si dans le besoin. L'Église doit subvenir aux besoins. Ou est-ce que l'Église est fait commencer? La Bible dit que les premiers chrétiens au premier siècle, ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. Les gens qui ont gagné un vendeur, ils ont porté l'argent pour les gens qui n'ont pas gagné du tout, joindre de quoi vivre. Les gens qui peuvent manger en quantité, qui peuvent vêtements en quantité, ils vivent en communauté vraiment. Et soit bien comprendre bien l'évangile, qui est chrétien, soit bien comprendre, ce n'est pas 10% non de bon Dieu, de bon Dieu 100%. Parce que lorsque vous acceptez bon Dieu, la Bible dit vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc si je ne m'appartenais pas à moi-même, tout ça me gagne, il pour moi m'appartenir. Et tout ça me gagne, je dois battre le monde à qui je m'appartenais. Hein? C'est lui-même qui va décider comment on va l'utiliser. Ou est-ce que monde qui vit comme ça, ou pas jamais besoin de rien, parce que bon Dieu, jamais Dieu fonctionne. Bon Dieu, il pas exige personne de rien. Soit ou non l'église et puis ap mette le roi sous dos, y ap exige des affaires, prends tes clics et tes claques et puis partir à l'aventure, laisser l'église ça parce que bon Dieu pas exige. Bon Dieu lui veut bon relation avant. Et à partir de relation ça, ou pas sentir que, c'est comme a dit un auteur, aime Dieu et fais tout ce que tu veux. D'accord. Une fois qu'on aime bon Dieu, bon c'est des bagages ou pas jamais fait. En effet. Et une fois qu'on aime bon Dieu, qu'on se débarque qui vient naturel tout. Mon pas besoin de goûter avec moi. Quand fait nos besoins là, on va pas nous goûter avec pour mes deux frères. Pour moi, je préfère au lieu de payer 10% pour payer hypothèque de 3 millions, je préfère chercher un frère qui a besoin, une sœur qui a besoin, et puis me passer au la main et puis me soutenir bon à sa bon Dieu maman. Bon Dieu, et mais ça mène tout non l'autre question tout. Qui te fait vraiment la une dans le dossier apôtre ça. Question que pour un pasteur, comme si pour un fidèle, pour le payer pour des miracles, est-ce que vous avez une petite lumière par rapport à ça? Parce que ça, c'est un bagage que en pile monde dit comme ça que vous avez perdu des milliers d'argent. Parce que yo investi, parce que à la recherche de qui ça, y a cherché miracle dans la vie. Yo. Est-ce qu'on a ben nous plus explication et puis est-ce qu'on a fait nous comprendre qui côté tout à fait de effet miracle ça vient sortir. Grand verset dans la Bible qui dit peuple moi a péri parce que pas gain connaissance. C'est yon au lieu nous remettre en question pasteur qui a promis miracle, moun qui a cherché miracle, il faut nous remettre en question aussi. Parce que si pas gagné un mouton, l'ouyo pas gagné un mouton pour dévorer. Grand série de moun, même si goumé à moun nan pour vers yeux, même si bateau avec moun nan pour essayer de faire moun nan comprendre, mais ça c'est pas ça n'a rien à voir avec la Bible. Ouvrez yeux nous, moun nan t'a préféré déchirer. Il t'a préféré goumer avant, faut li croire dans bagage ça yo. Faut dire aussi nous dans une époque côté grand pile confusion. Grand pile confusion, moun yo pas konn qui est pour croire. Même moun qui vrai homme de Dieu yo, yo passé dans même panier là, yo mettait toutes doutes sur yo tout parce que moun yo pas konn qui est pour croire. Yo moun qui a promettre moi des miracles. Écoute, pas gen personne moun sous terre qui capable dire bon Dieu bal plus privilège qu'on l'autre. Même accès pasteur qui fait promettre miracle ça, il gagne auprès de bon Dieu par lequel la fait miracle là. Moi même tout même accès à bon côté. M'tarin moun ça peut aller passer pour dire pasteur, pas quand moi faire miracle pour moi non, puisque bon Dieu a servi à li kon fort faire miracle. On t'a montré mon côté bon Dieu ça pour moi même tout pour me faire miracle femme oui, parce que c'est accessible pour tout le monde bon Dieu mais en même temps tout moi-même fini par ouais tout des fois avec ça que moi lire sur internet ça que me regarder dans télévision fini par ouais tout des fois gain des cérémonies il y a traversé une période dans la vie
et puis ils ont besoin et puis il y a le ressource et il y a le chercher besoin ça dans l'église. On va qu'on se comprendre moins. Alors là que yo promettent yo des miracles. Alors faut qu'on croit non bagaille, faut qu'on gagne la foi. Alors si mon ali gagne la foi, la prêter là, la prêter accroché parce que lui même la tonne miracle. Alors tout à l'heure où t'a dit a gagne des cérémonies et même soit passé parler yo, mon n'a pas voulu ouvrir les yeux. Mais est-ce qu'on pas ouais à travers ça des fois, c'est parce que mon ali soif d'un bagaille dans la ville. N'a cherché parce que nous toutes qui là n'a cherché un bagage dans la vie nous n'a cherché tout le monde à la conquête de quoi à la conquête du bonheur vous comprenez ça me le dit là alors moi même c'est ça en même temps tout que me voulais clarifier pour tout le monde qui a regardé nous des fois c'est pas parce que mon peut-être égaré ou bien peut-être mon n'a pas comprendre mais mon n'a soif de bon Dieu li soif de la parole grand pas encore passage biblique qui dit c'est bon Dieu qui dit ou ap chercher ou ap trouver si ou ap chercher de tout cœur vous me chercherez vous me trouverez si vous me cherchez de tout cœur écoute on a un problème financier parce que la majorité des fois miracle mon ap chercher c'est miracle financier la majorité des oui, fois c'est maladie ou malade mais la majorité des fois c'est miracle financier mais bon petit calcul simple pasteur a loué pour prier pour ou bien wa balkob pour capable devenir riche et puis année après année ouais c'est pasteur qui a devenu riche ou même on vient pipo mais on veut jouer à un moment donné pour dire mais ça se peut pas ça se peut pas pourquoi c'est lui même qui a devenu riche année après année moi même lui promet richesse ça me vient pipo malgré ça ça ne change rien les gens continuent à affluer encore dans l'église à la recherche de miracles. Oui, mais des fois, je trouve que ce n'est pas toujours faute de nous. C'est vrai que nous avons pédé, il faut que nous avons ouvert les yeux. Mais, là que vous levez dans l'église chrétienne, toute vie, et ces bagages que vous connaissez, plus fort haïtien, c'est chrétien. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas faute. Exactement. De non. Mais, plus fort dans nous levez dans l'église. À 90% même plus. Haïtien li levé dans l'église. Alors c'est sûr que l'elle vient joindre un côté pour le réfugier li, pour le parler de tout problème li côté que il senti que moun a pas accueilli. La vle rete là, c'est l'être humain. Être humain a toujours cherché le réconfort. All the boys,